Nous allons visiter l'église Saint-Christophe de Javel, qui est un lieu très surprenant. Vous allez le voir. Alors, il faut d'abord se replacer dans le contexte de sa construction. Javel était un quartier ouvrier, le quartier de l'usine Citroën. Saint-Christophe est d'ailleurs le patron des automobilistes. À l'origine, cet édifice était une simple chapelle pour les enfants des ouvriers. Et on a ensuite construit, dans les années 20, cette grande église destinée à devenir une paroisse. Alors, pour l'époque, c'était une nouveauté, hein, vous le voyez, elle est toute en béton. Et dehors comme dedans, elle est entièrement expérimentale, mais parfaitement réussie. Regardez cette charpente métallique et bétonnée qui donne un aspect très ouvrier à l'édifice. Il n'y a pas de mur porteur. Et puis, il y a un décor très complet avec des vitraux, des voûtes peintes, du béton sculpté ou encore des fresques qui recouvrent la totalité des murs. Le tout réalisé par un grand panel d'artisans qui sont des maîtres de l'art déco. Ici, les artistes se sont inspirés des matériaux et des formes des usines et puis les ont transfigurés grâce à l'art sacré.